Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Après la police fin installé Enoch Genelus comme nouveau délégué départemental la Tibonite là. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, depuis semaine passée, là, Gonaïve vin rete yon commune qui impraticable, toute activité paralysée. Cause, nègre à bouto descend bloquer toute route sous prétexte que président Jovenel Moïse allait, si moun pa ka à l'école, personne pa ka fonctionner dans la commune. Eh bien, hier, la police, yon équipe boy débarqué en dedans commune Gonaïve, yon lancé yon opération débouché route. Pa caché d'où, c'est pas des balles qui pa pété, c'est pas t'es des blousailles qui pas gagné. M'pral bon plus de détails, t'as les comme ça. Premier ministre joute lui-même, lui répond isolant. Pour faire le qu'on est, lorsque pour le côté, y'a plimé koden ou même c'est rak ou prend. Pour bien dire, tout petit monde qui bout de cabaret braille, dossier la justice, c'est pas dossier rapé. Donc, sous envie fait politique, quitte rap là, elle fait politique parce que politique c'est pas seulement dormi et pour gagner inspiration, aller déjouer boz, et puis sortant de ya, ou gagner inspiration pour venir faire politique. Mais politique, c'est bagay que yo apprenne. Sous envie fait politique, donc quitte rap, sans filtre. Donc, premier ministre joute lui-même, frappe isolant, et fait le comprendre, s'il pas posé, il ka posé. Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, m'pral bon plus de détails, t'allez comme ça. L'autre information qui est très importante, c'est que Géon Timoun yote kidnappé dans le site pays. Et la police lui-même, li mené yon opération et mette 4 moun en bas code qui t'accomplissent dans l'arrestation ça. Rale tichèz ba ou chita confortablement, m'pral bon tout détail ça yo nan bon timamite. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous yé? Encore une autre fois, Mabdou, merci. Merci parce qu'on fait nous confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci pour like ou yo, merci pour commentaire ou yo et merci tout parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, sous fait tomber sous channel là, pas hésiter activer cloche notification par là pour pas rater aucune vidéo, ses amis Pao Foucault. Hier nous connait que n'te bayon ti compte c'est que m'a passé dans yon lakou et puis moi tout moun a genou. Effectivement, c'était poids qui a plevé en pile. Le monde te réagit, moi content ça et merci tout parce qu'on t'a commenté, ça prouve que jusqu'à présent de culture nous toujours existé. Donc l'on planté un poids 8 jours l'on passé ou après poids à genou lui-même la plevé puis l'autre semaine l'on passé ou saisi ou tout pied poids yo campé droite effectivement c'est poids. Et bien je ne jodi avec compte que m'a quitté pour aller chercher réponse c'est que papam allait dans marché l'acheter yon tête bœuf seulement pour tête déconne. Papam allait dans marché l'acheter yon tête bœuf seulement pour déconne. Pas oublier qui t'a commenté Paula qui t'a réponse qui lié avec compte ça. Donc ça fait que me content en pile dès que ou commenté. Donc en entrée dans détail. Mesdames, mademoiselles et messieurs, et bien depuis jour passé là, nous songe président lui-même l'était rendre en visite en dedans Raboto pour passer à la centrale électrique Gonaïve là. Ça qui passait, et bien depuis après ça, et bien commune ça vient rete yon commune qui est praticable toute activité bloquée, route bloquée sous prétexte faut que vous voyez président Ali. Jusqu'à présent, Jovenel Moïse still toujours été sous pouvoir. Donc en ce sens, moun Raboto pour bien dire gens que la police dit gang Raboto empêcher moun yo si qu'il est bloqué toute route net. Donc en ce sens, hier eh bien la police lui-même accompagné avec délégué départemental la Tibonite là, et on qui est-ce qui délégué départemental la Tibonite là, nous songe ces moun et ces lettres à citron li ensemble avec sénateur Yuri Latoti. Donc en ce sens mesdames, mademoiselles et messieurs, yo équipe boite ensemble avec délégué départemental là qui c'est Enoch Genelus débarqué en dedans commune Gonaïve ouvert une opération qui c'est opération débouché route. Yo commencé débouché route, yo a passé monté, yo a débouché route et bien mesdames, mademoiselles et messieurs, ça t'a pral passé et bien katouche mari. Nègre Raboto tombé tiré sous la police. Donc femme dit nous la police est même devini avec un lot de tout parce que t'es un paquet de bagages yo mette nan route la, policier ou patap ka leve yo a men. Donc, plusieurs coups de balle tiré et nèg yo te campé bataille pendant une heure de temps, mais malheureusement, genye yon policier qui blessé, c'est lui-même qui tap kondi lors de ça. Question à poser, est-ce que travail ça lui-même la brete la? Cause nous connaît jusqu'à présent commune nan poko libre, mais quand même, semble que la police lui-même a retourné pour vin mettre Gonaïve dans stabilité que l'te genye depuis bien avant, puisque yo pa kabay gang, prend
pillé dans cité de l'indépendance puisque nous connaissons commune Gonaïve lui-même, li son lieu historique, c'est une commune qui très très utile dans l'histoire pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, premier ministre Jout Joseph, a eu chance de répondre à quelques questions sous information cap circulé. Comme nous connaissons que la police, même dans l'opération, elle était menée dans Petit Bois, eh bien, il y a plusieurs policiers qui ont été arrêtés, eh bien, premier ministre lui-même, lui passer l'ordre pour que, yo capable de libérer policiers, ça, yo, puisque, donc, lui-même, tous, ils sont VIP, il y a des côtés qu'on brale, il y a des policiers qu'on s'en m'avèle, policiers, par contre, qui s'en brale régler. Donc, en ce sens, policiers, capable innocent. Donc après que l'inspection générale lui-même fin fait travail, il mandé coûte pour que yo libéré policier ça yo. Et bien premier ministre en tout a eu chance parler sous dossier des dominicains que yo kidnappé et information qui t'a fait quoi que et l'armée république dominicaine nan a descendre vinn chercher des dominicains ça yo, donc vinn mener une opération pour capable joindre. Donc en ce sens et bien premier ministre a dit li apprendre que gagner 24 machines qui gagnaient, soldats dominicains qui entraient et étaient gagnés, et Udmo qui était accompagné. Donc, information ça, pour qu'on arrive à jouer. Mais malheureusement, yon eglon, yon la, mais qui a entré dans yon l'autre pays, l'important pour tout dossier correct. Donc, premier ministre a déclaré que gagne yon la dans yon, que passeport expiré. Ça, c'est yon honte. Donc, en ce sens, nous connaît qui ça, République Dominicaine, même qu'on fait haïtien, là, aujourd'hui, yon sans papier. Bon, ou connaît tout, non, date, n'a traversé la caillou sans papier, à papier expiré. Et c'est karma. Nous comprenons très clair. Donc, en ce sens, eh bien, premier ministre lui-même, t'as eu chance de répondre à une question sous dossier soldat dominicain qui a entré dans le pays d'Haïti pour venir mener une opération. Et non seulement ça, tout t'as tout eu chance de répondre à artiste isolant qui vient camper en quoi qu'a prend pour Youri Chevry, ancien magistrat, que la police lui-même li lagué avis de recherche derrière comme moun qui t'a parti dans assassinat, tentative d'assassinat, donc, li gaspillé bien privé moun ak bien l'état. Donc, li fèl konnen, kote yo ap plime, koden ou même ti poule pa rentre la. Di rap pa politique, sou envie fait politique, li préférable pour que ou la prenne ki sa ki politique la. Mesdames, mademoiselles et messieurs, entendez premier ministre Jout Joseph pour tout détail sa yo. Nous vivons dans un pays démocratique, tout le monde dit ce qu'il veut, tout le monde pense ce qu'il veut. Mais Raïs Chien dit dans le blanc, je ne sais pas quoi la police nationale, j'en ai un premier ministre qui remet au conseil et qui a de très bonnes relations avec le PNH. Bon, et dossier à la justice a fait chemin, il y a pas enquêté sur yo, mais appel que m'a lancé, si yo trouvé que policier yo, ils n'ont pas impliqué dans la question ça que vous libérez. Parce que moi-même, je suis un premier ministre, en pile côté malé, malé avec des policiers qui affectaient à sécurité. Moi, des fois, ils n'ont pas ça mal réglé côté malé. C'est-à-dire le fait que un policier accompagne un VIP, un côté, ça ne veut pas dire pour autant que les policiers sont impliqués dans l'activité que VIP a mené, parce qu'il n'est pas obligé au courant sa VIP a fait. Job li, c'est protéger et servir, li accompagner VIP a parce que la loi fait l'obligation pour protéger VIP a quel que soit à côté l'aller et dans quelques lieux que VIP a. Bon, maintenant des policiers pour garder calme. Par exemple, matin, il y a pour que je me présenté dans le tribunal parce que le juge l'a été convoqué, il faut que quitte la justice fait travail. Yo met gardé calme yo, et la justice a fait travail yo, DCPJ a fait enquête li. Si policier yo pas coupable de quoi que ce soit, me pense que inspection générale, direction générale de la police là, tout comme le commissaire du gouvernement l'a demandé pour l'accès. Bon, pour le moment son appui moral seulement ka pote ba yo. Et même gens, gen moun ki arrêté là tout et gen là de yo ke me reconnaître malheureusement. En tant que premier ministre, bah même quand on est en prison, parce que bah ça a l'autre connotation, vous comprenez ça, m'dou? Mais c'est appui moral que m'pote, et ceci à tout le monde qui est en prison, que c'est le monde qui est condamné déjà, que c'est le monde qui est en détention préventive prolongée, parce que pouvoir, on pouvoir pas gain droit à fourner dans sa cap passer dans l'autre pouvoir, malheureusement. Et, mais, j'ai appui moral que m'pote pour eux. Et m'a continué à parler avec ministre de justice, CSPJ, qui occupait de l'administration de la justice dans le pays,
pour que bagaille fait un autre gens dans pays. On pas ni minimiser ni démentir parce que me pense c'est un problème de compréhension parce que c'est pas chaque monde qui gagne même aptitude ni même attitude non plus. Vous comprenez, moi juste pardonner ça et parce que moi entendais en pile vieille parole déjà dans la rue, ah bon. Et probablement li contaminé par fausses informations, mauvaises paroles que mon a dit moun. Moi souhaitais que artiste la ressaisisse parce que je connais comme un bon rappeur. Bon, je ne connais pas s'ils sont bons politiciens. Et bon, je souhaitais que qu'ils apprennent à faire politique et qu'ils apprennent à utiliser bien et bouche-li et le lap parler parce que politique, ce n'est pas grave. Et hier soir encore, je m'attendais à un policier actif ou bien un ex-policier. Il était pour me vérifier ça sur les réseaux sociaux qui fait des déclarations qui assez graves. Qui dit qui lui-même mais qui qualité groupe monde mais qui groupe monde qui n'a kidnapping non quoi son policier que les Greg ou bien Grégoire et c'est non ça me détendait moi mettais pour vérifier pour moi c'est pas que nous-mêmes nous baisser les bras à dire la police continue à travailler et fait filature et n'a prend toute disposition pour au moins nous mater cette histoire de kidnapping dans pays là parce que j'en sors de là qui prend ampleur qui est vraiment, vraiment inquiétant dans le pays. On a travaillé sur ça. Le commissariat Grand Avignon, c'est un choc pour moi. Et je pense que c'est un choc tout pour tout citoyen, pour tout le monde qui est normal et dans le pays. Mais je connais tout que l'inspection générale de la police avec toute DCPJ, il a enquêté pour qu'on ait exactement ce qui s'est passé. Et quel que soit le monde qui est fautif dans ça, il a puni. Bon, et je fais toute journée en conversation avec les autorités dominicaines. Et nous sommes censés travailler à Bessoli. Malheureusement, c'est un convoi de 22 ou bien 20 véhicules selon l'information que j'ai gagné. Ils sont rentrés dans le pays. Nous ne savons pas qui côté ou passé, qui gens ou passé. On est nos gros frontières qui c'est 4 ou 5 points seulement nous contrôler sur les, nous passons n'importe côté. Et dans la même copie passeport que moi, mais même moi, un passeport, il y a un Dominicain qui expire. C'est malheureux que un convoi comme ça a rentré dans le pays. Les autorités du pays n'étaient même pas au courant. Et selon l'information que j'ai eu, il y a deux patrouilles policiers qui étaient avec eux, de l'UDMO, je crois. Je suis beaucoup sûr de ça parce que je me demande plus d'explications dans haut état-major de la police pour me connaître. Est-ce que vous êtes autorisé pour accompagner le convoi et dans quelles conditions tout. Ils ont kidnappé trois personnes et matin, je parlais avec plusieurs personnes qui étaient concernés par le montage film ça que vous avez fait. Mais nous travaillons sur le dossier, nous prêts, nous pensons un peu après-midi à nous cacher nos solutions. La police dans la ville Okaï mettait en bas code 4 personnes mardi 23 février 2021 pour une implication présumée dans un kidnapping sur un petit petit 8 l'année dans cette ville. Petit petit ça qui relait Rebecca Maina Chilensi. Donc c'était dans lundi 22 février, il était à l'école et puis il n'est pas entré à la caille. Selon porte-parole, site inspecteur Pierre-Yves Le Sage, il a été enlevé Timinéa avec tout uniforme sous lit pour te almener li nan yon section qui pote non la botte qui pas trop loin ville la. Porte-parole la explique tout moun ki arrête yo déjà après pon question instance ki la pou sa pendant le bay garanti la police ak la justice nan zone nan ap pini tout moun ki ta impliqué ki trempe men yo nan zak criminel sa. Entendez déclaration porte-parole sid la inspecteur Pierre-Yves Le Sage. Comme nous avons information déjà, c'est un élève d'école de 8 ans qui est en 3e année fondamentale qui est Rebecca Maïma Chilenchi qui était enlevée par une demoiselle qui est Laurent Schneider qui a dit non Sassou et Chichi. Moyennant que demoiselle ça qui a 15 ans, elle est habituée avec parents et tout le monde. Il a fait environ 4 mois la carrière parents. Mais compte tenu du comportement que le dégain, il est obligé de quitter Kaila pour la vivre pour l'autre côté, car on dame qu'il est Jacqueline Joseph du côté de la Borde. Et c'est pendant les environ de 2 heures hier, demoiselle Sate prend élève l'école là, devant l'école là, il était transporté de la Kaili du côté de la Borde. Mais c'est important de ne pas gagner dans Mali pour dire les parents, Timonan, pour te dire qu'avec lui, il transporte avec la Borde. Et côté lié aller avec Yassine Kayon Pasteur, qui est Ilin Ben, qui est cousin Schneider.
Il est arrivé à la Cali, bon, il n'a pas posé tellement de questions, mais il était arrivé aux environs de 5h de l'après-midi par Antimonza, qui c'est Jefté Rebecca, avec mon mari qui est César Cynthia, par exemple, il n'y a aucune information de lui. C'est par la suite, aux environs de 5h, je descends avec Antimonza dans une camionnette, Isuzu qui sortit la bonne, je mettais les quatre chemins sur un taxi pour te mener la Cali par an. Et la police qui était informée de la situation, SDPJ spécialement, qui menait des enquêtes pour être capable de joindre de quoi il en est. J'étais allé du côté de Charpentier, car il parle à Timounna. J'étais joindre Timounna avec Parenli. Et j'étais transporté lui à la SDPJ pour des questions fondamentales pour être capable de connaître exactement de quoi il en est. Et mais la grande question, il y a trois autres monde, quatre autres monde qui participaient dans l'enlèvement comme complices. Il y a premièrement le moto-taximène, qui est le François Jean, qui est un tonique, je gagne 54 ans, qui était arrêté du côté de Charpentier. Il y a Darbouze Fransley, 18 ans, qui a été arrêté. Dexia, qui sont écolières, qui participaient comme complices dans le cas d'enlèvement ça. Et le vrai potentiel là, c'est Laurent Schneider, qui est dans Sassou et Chichi, qui lui-même qui prend l'élève là devant l'école, qui est transporté de la calée du côté de la borne. Ensuite, il y a Jérôme Watson, qui a 16 ans, qui sont écolières également, qui a participé comme complice dans le dossier ça. Et Pasteur, qui c'est Ilain Bain, lui-même qui c'est cousin Schneider, il a cherché lui. Malheureusement, il n'est pas venu, M. Deguetan prend rap. Bon, en gros, Maïma, Lila, bel et bien présent avec parents lui, parmi nous. Ça montre que Timouna est encore vivant, il est en état de santé concernant le cas qui est passé. Le thème enlèvement, c'est le même bagarre avec kidnapping. Les éléments sont là, ce n'est pas le élément matériel pour infraction, élément matériel, élément légal. Yola, ça veut dire que l'élément intentionnel. Et l'élément légal là, Lila. L'élément intentionnel là, Lila. Et ensuite, l'élément matériel là, il y a quoi là. Ça prouvait que, en termes clairs, son enlèvement qui est fait, mais moi, pas de rançon, pas de demande de rançon qui est faite. Pépé, est-ce que le monde qui a pris fillette là à l'école, est-ce que les patrons habitués rendent par an demoiselle la service ça? Je me dis ça déjà. Et demoiselle ça, il fait 4 mois à vivre avec parents, Timoun ça n'a là. Demoiselle ça, c'est littéralement avec mon frère, papa Timoun. Ceci dit, son monde qui est habitué avec eux. D'autant plus, 1er janvier qui se passe là, demoiselle ça, c'est la caille parents de Timoun. Donc là, c'est la grande famille, bébé. Bon, pas c'est la grande famille, mais simplement, il est habitué avec parents Timoun. Mais qui ça lui dit, nous, ça s'ouvre comme excitation? Comme on dit, nous expliquons ça. Il n'y a pas Timoun depuis quelques temps. Elle passait devant l'école, Timoun a couru voler sous lui. Elle voulait sous lui, il prend lui, la caille avec. Comme on dit, nous, il est mal fait. Par contre, c'est manque de maturité. Il prend Timoun à la caille avec, il va informer par un Timoun que Timoun en amène. C'est ça que vous prétendez que son cas d'enlèvement. Mais qui ça Timoun a dit, le traitement que lui-même il était recevoir la même salle? Et jusqu'à présent, Timoun n'a pas reçu un mauvais traitement. Tout simplement, il est habitué avec Damnan. Damnan a commencé à faire toilette lui, balayer, ramener sur lui, tout ça. Quand ça sur ça, ça sur, il est en garde à vue. On va aller de plusieurs monde impliqué dans ça. Oui. Pas nous plus de détails. Au niveau des prix. Mounsayo, c'est comme nous disons déjà, c'est François Jean qui est un tonique. C'est lui-même qui a été remettre Timoun dans quatre chemins pour te mener le caïparal. Deuxième monde, c'est Darbouze Fransley qui a 18 ans, qui est lui-même tout son écolier, qui était dans la même machine qui a parlé Valère. Dans le programme avec Pasteur, il a été lié du côté de Valère à Tobé. Ensuite, il y a Laurent Schneider, qui est même qui est potentiel auteur dans Baïla. Il a été lié également du côté de Valère, dans le même côté avec Darbouze Fransley. Il y a Jérôme Watson, lui-même qui sont écoliers tout, qui c'est petite Jacqueline, côté Schneider de la Cali, il a été légalement. C'est-à-dire que ces deux mondes ont une implication comme complicité dans le cas d'enlèvement. Pépé, est-ce que si vous êtes habitué à passer une journée avec ça sous ça dans la zone que vous avez dit? Non. D'après ça, par en fait. Non, non. Il n'est pas habitué à passer une journée. Qui est le temps de monde? SDPJ, comment c'est dans les vous parlez de l'enlèvement, est-ce que vous avez un appel téléphonique placé ou encore quelques grands sont demandés? Non, je dis ça déjà. Pas de grands sont enlèvement, même mal. Moi, il n'y a pas de demande de rançon qui est. Est-ce que c'est nous qui qualifions d'enlèvement, Pépé? Bon, en réalité. Le monde qui a le 10, bon, c'est là, le monde qui. Nous prenons l'autre. Non, mais du fait que vous prenez Timoun sans. Du fait que vous prenez Timoun sans consentement, ni Timoun, ni parents. Nous voulons profiter pendant la conférence de presse là tout, pour tout sensibiliser les parents. Pour tout sensibiliser les parents, pour que les parents de nos jours fassent preuve de beaucoup de prudence. Et nous voulons profiter de moment ça tout pour nous appeler tout à direction l'école.
problème qui pose, c'est que, et avec criminalité qui est en train d'augmenter un peu partout dans le pays, il préfère parents sur le travail ou bien sur le temps libre, au lieu que confectionner un taxi, peut-être, préférer que ou même aller personnellement à chercher petit. Et nous demandons toute direction l'école tout pour que eux-mêmes prennent des dispositions les que si nous n'avons pas livré si nous n'avons pas monde livré si nous n'avons apparent ou bien parent a dit mais qui est-ce qui confier pour prendre si nous n'avons pour lui remettre mon directement donc immédiatement que nous finissons parler avec parents puis après ouvrir les nous faire comprendre que ils viennent voir si nous n'avons venu avec un taxi. Donc immédiatement, ça a été encore interpellé nous pour que nous cherchions qu'on ait exactement ce qui s'est passé. Donc c'est comme ça que patrouille de police a été fait intervention. Il a récupéré et chauffeur taxi. Bon, peut-être lui-même et degré. Il n'y a pas vraiment un degré d'implication dans le bagage. Il faut être clair sur ça. Mais quand ce taxi l'a fait, il y a un relais, il a campé. Mais sauf que, monsieur tout, il fait preuve de négligence. À un certain heure, on va arriver dans 9h du soir, où il y a un monde campé, on lui dit, il y a un petit monde qui a fait un uniforme l'école sur lui. Il faut que ça te attire l'attention pour dire, ah, là, ça va normal. Est-ce que vous avez besoin? Bon, peut-être qu'il a vu la chercher, et pas ça qui est pour mes soucis. Pour mes soucis, c'est rentrer petit cobla pour fonctionner avec la famille. Donc, monsieur laisse tomber dans le piège là, il prend petit monde là, et il met petit monde là exactement comme il parle. Donc nous n'avons rien nous reprocher de monsieur pour nous dire que nous avons mauvaise foi. C'est exactement l'année que nous parlons. Mais nous connaissons que les gens de classe arrivent, les que nous n'avons pas avec Timon, les parents qui affolent, les parents qui attendent Timon. Donc certainement lui-même, l'émotion fait qu'il agit de manière brutale. Et ça fait rapidement la police qui est apparue pour empêcher que les chauffeurs taxi ont allé chez eux et à faire une bagarre qui n'est pas normal. Je pense que et j'en dis à panique le fait que l'information qui est publiée sur les réseaux sociaux ça capable cause que vous peur donc plan que tu as gagné qu'on y a là il vient censé venir dévier. Je pense que c'est parce que le plan vient dévier qu'on y a là ils font l'autre moyen et pour débarrasser de cas parce que tu m'as commencé à venir chaud dans. Donc qu'on y a là mesdames mademoiselles et messieurs n'a entré dans dossier sénateur Youri La Tortue. Bagay la compliqué pour sénateur puisque maman sénateur a gagné environ 80 l'année. Eh bien, ça qui passé, jusqu'à présent, maman sénateur a touché un total de 800 000 goudes dans l'État. Et ceci nous capable de garder là, c'est pas un seul chèque, c'est plusieurs chèques. Est-ce que y a un monde qui n'en pral dans 90 ans a touché un salaire dans l'État? Et côté bagay la dit, c'est que maman Youri La Tortue pap même vive en Haïti, la vive au Canada. Qui travaille que la fait qui fait la toucher comme ça? Et ceci, d'après date qui écrit dans chèque, yon noue c'est depuis en 2012. Donc, en ce sens, c'est pas journée aujourd'hui, ya, et ti chèque ça yo ap sorti. Donc, ou kon noue, les ko leve nan kol yon moun, et puis même moun so leve nan kol la, sak passe gon paquet dossier kap dévoilé sou. Donc, en ce sens, nou kapab comprendre ki kote nou ye journée aujourd'hui, ya, noue ki yes yo. Parce que, à travers les réseaux sociaux, mesdames, mademoiselles et messieurs, gon paquet bagay ki te kon a passé dans ton, nan, gon paquet bagay ki te kon a passé dans ton longtemps, moun yo ba ou sa yo vle, mais koun ye a la, réseaux sociaux yo permet, depuis moun nan parle, ou bien depuis moun nan fait, yon mauvais pas, nou déjà wè ki côté que le bralé. Je ne j'en dis à mesdames, mademoiselles et messieurs, nous commençons ouais en bas un paquet de politiciens depuis 5, depuis 20 ans, qui fait politique. Donc, à mon grand étonnement, hier, m'a regardé un tweet que un grand journaliste, en pile moun ap suivre depuis très très longtemps, pour le fond tweet pour le dou, dans 30 l'année qui saute passé, là, et mais c'est Don Kato lui-même, qui c'est meilleur sénateur de la République. Franchement, m'ri, m'di m'comprendre qui côté nous prale journée aujourd'hui. Yon sénateur qui levé kale skote poupou pour vin vide nan parlement, c'est lui même qui meilleur sénateur. Oh oui, c'est meilleur sénateur. Donc, en ce sens, nous capables comprendre nan ki kachou boumbe que pays a lui même li tombe journée aujourd'hui. Donc, li clair, nous capables comprendre tout. S'il dit c'est meilleur sénateur, sûrement le connaît d'elle al pren poupoua pour vin mette. Li kon tout plan sa yo. Parce que, nous pas ça qu'à comprendre qui gens dirigeants pays d'Haïti, qui gens moun kap fait politique nan
dans pays d'Haïti réfléchit parce que on côté ou ap chita là dans yon côté c'est là où al travail c'est là qui permet ou yon kob pour vivre pour fonctionner parce que ou ap travail là ou touché donc kounya là pour pa wè ça pour faire c'est pour al boté pour al vide là dedans kounya l'on fin vide pour vous, gon l'autre même gila qui pour écrire pour vous, que vous êtes meilleur sénateur de la République. Oh yeah! Donc, dans tout l'autre pays, quand on kon rebagay kon sa pour moun al boote, poupou, tenez bien, oui? L'al escorte poupou nos machines, on doum, poupou, pour vin vide en dedans. C'est quoi l'histoire? Bombarder, ça veut dire pour moun, eh bien, où son poupou tout? Parce que si ou ka font action kon sa, et puis l'autre là, lui-même, li écrit pour nous bagay kon sa. Est-ce qu'on va côté nous tomber? Donc, chop te gen raison, l'dande, majorité nan yo, donc, pour nous pas mettre tout moun nan même cadre là son équipe pou pou yo faut que nous clé ensemble avec tête gros nouvelle moun nan yo bienvenue c'est sous Tax 609 ou connecté n'importe côté où yé depuis ou c'est haïtien ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger pas oublier abonner commenter liker partager vidéo pour travail là capable avancer zami pau fouko restez là pas déplacé n'a commencé avec yon mauvaise nouvelle célèbre joueur golf Tiger Woods monsieur fait un accident grave et dans Los Angeles Californie et ben côté que il déjà subi opération monsieur gain 45 ans et machiniste c'est grâce à sapeur pompier qui retiré avec un appareil spécial pour te retirer la machine monsieur prend pile fracture dans pied li dans jambe ni donc jusqu'à présent monsieur dans salle d'opération n'a vini avec l'autre détail si nous gain donc actualité concernant pays d'Haïti gros point c'est président Jovenel Moïse qui prend la parole hier lundi 22 février 2021 devant Conseil sécurité des Nations Unies après dernier rapport BINU qui c'est bureau intégré Nations Unies pour Haïti intervention président Jovenel Moïse là et ben dans intervention ça l'élongé droite sous opposition, il dit qu'il pas veut aller à l'élection et qu'il veut plutôt une transition lui-même, il dit le pape qui est arrivé dans le pays là, il dénonce tout ça relé un groupe oligarque corrompu, son mot qui retournait en pile dans discours président et président promet que a gain élection dans le pays là, élection en septembre et puis un référendum en juin contrairement avec calendrier électoral là donc et intervention qui provoquait en pile réaction, en pile là défavorable concernant prestation président dans occasion réunion ça. Yon réunion Conseil sécurité non en gros, mais qui pas en haut niveau. Nous rejoindre professeur Fernando Estimé qui sont spécialistes dans relations internationales qui pral dit nous d'abord, professeur Fernando, dit nous d'abord, quelle importance yon réunion consacrée pour diplomatie haïtienne? Bon, c'est une réunion qui fait dans le cadre du Conseil de sécurité. Alors, je salue tout auditeur, je salue Jacqueline, dans le cadre du Conseil de sécurité, parce que Haïti, il y a un BINU qui est présent, qui est le bureau intégré. Et bien, le secrétaire général, là, qui est le premier fonctionnaire organisation, qui a la tête du secrétariat général, qui est un organe des Nations Unies. Donc, il y a toujours mandaté pour le rapport circonstancié sous Jean Bagayou a évolué dans le pays pour qu'on ait si bien progrès fait et pour qui ça l'argent dépensé tout, puisque l'autre des bureaux en Haïti, ou dans des missions en Haïti, il y a l'argent qui dépensé, il y a comme qui dépensé. Donc, il faut bailler un rapport pour qu'on connaît est-ce que comme là bien dépensé tout. Et bien, le secrétaire général a rédigé un rapport, et bien, c'est le rapport ça que tu as présenté. Mais généralement, quelconque lui a fait type de rapport, ça, c'est pour un bagaille qui gros ton bagaille réellement. C'est bien de l'élection fait, même en Haïti, c'est dernier ligne dans la presse. Pour Mgadou, à l'époque, des ministres, il y a juste les derniers liens dans le journal là. Et c'est le parler de vote sur renouvellement mandat. Ou on doit avoir dans trois premiers, quatre premiers titres dans le journal là. Mais à faire discuter sur rapport là, c'est pas même un bagage qui ont gros actualité. Ça fait généralement quelconque. C'est des mondes qui en poste l'autre bois, que soit représentant permanent, ou bien de l'aide même lui-même, c'est adjoint, ou qu'on voyait, aller défendre position Haïti, dit qui opinion Haïti gagne sur rapport ça, qui ça vous pensez qui bon la donne, qui ça vous pensez qui ont tigé trop fort pour vous. Donc c'est ça qui qu'on fait généralement, et ça qui fait hier, il y a un pile monde qui était surpris, les vous pensez, ils ont annoncé que c'est président Haïti qui pral parler, viennent joindre l'autre monde qui était là, yo. L'autre monde, c'est pas monde qui gagne gros tonton rang yo yi. C'est-à-dire c'est des monde qui c'est des représentants permanents adjoints, gagne là des pas même représentants. Mais ça pas empêcher que ça fait la une qu'on y a dans la presse en Haïti après prestation président. Eh bien, juste
justement c'est président qui a le monté volume dans mettez bagaille là non gros gros ton niveau et vienne joindre li pas forcément bien passé il pas forcément fait avec à l'avantage li et puis vienne joindre moi j'ai l'impression alors c'est une impression mais c'est pas une certitude que mon yo pas forcément dit président qui exercice que le t'a le faire parce que le président habitué parler dans assemblée générale li vini là ou bien tombé là dans tribune Nations Unies et puis il dit le discours et puis il finit et puis il vire dos l'aller. Mais président, j'ai l'impression, probablement, le président probablement capable d'étonner le loi Mounio a fact-checké. C'est-à-dire, président, fin le discours, le fin en réalité de Haïti, et puis ambassadeur qui l'a, ou représentant permanent qui l'a, l'autre représentant pays, il y a dit président, attendez, et au moins, président, ils sont présentés, mais nous-mêmes, la Chine, par exemple, fait ça. Alors, la Chine, lui-même, accusé directement dirigeant haïtien, comme quoi, responsable problème qui vient en Haïti. La France, lui-même, fait fact-check. États-Unis, fait fact-check. Irlande, fait fact-check. À la limite, m'a demandé, est-ce que c'est pas l'Inde avec le Mexique qui était plus favorable avec Haïti, dans le genre où tu parles avec le président, parce que l'autre, Mounio, il comprend alors représentant la France là et je ne dis pas la président sous haïtien ça va faire honneur réellement Jean représentant la France là tu parles avec président parce que et il est belle il est tellement belle du tout et c'est mon qui fait pas belle là c'est Jovenel Moïse lui même qui fait pas belle là parce que Jovenel Moïse pas de réponse à question yo ou bien conseil tout le monde doit qu'on est à venir. Parce que question dans le rapport là, question qu'on veut mettre mon ferrier dans la langue, moi mettre mon ferrier dans le rapport là, question qui concerne et Jimmy Cherizier en Haïti, Jimmy Cherizier barbecue, lui dans le rapport là, donc son dossier qui a venu. Alors c'est ça qui fait me penser mon yote mal informé président qui fait l'al parler, ou du moins président lui-même t'es imprudent qui fait l'al parler, parce que c'est la première fois l'al parler, non type de séance comme ça dans le Conseil de sécurité, non type de séance comme ça dans le Conseil de sécurité. Bonjour ici, mais on va oui. Et on va regarder les réactions États-Unis qui partent une réaction favorable. Qui interprétation, qui lecture, ou même en tant que spécialiste dans les relations internationales, qui lecture fait de position que les États-Unis ont gagné hier dans la réunion ça avec position habituelle ou bien dernière position que le gagnant, qui ont semblé que les, d'après un pile monde l'a soutenu, président Jovenel Moïse. Alors que nous sentis que hier, il n'est pas trop douce et avec le président Jovenel Moïse. Eh bien, justement, parce que le président Jovenel Moïse a perdu plume. Parce que dans Jean Labjéré, manifestation qu'a fait contre Lio, dans Jean Labjéré, problème qui vient contre Lio, eh bien, la paix du plume, justement. Parce que le président fait, on dit, on bagaille hier, par exemple, moi-même, je ne prépare pas une référence au président, je ne vais pas le map qualifié que il y a quelques gangs qui déguisent un journaliste, gang qui déguisent un manifestant, dans le moment que mon appel m'a arrêté, il y a un gang qui est lié avec le gouvernement américain, prend sanction contre lui et contre des anciens officiels dans le gouvernement, il dit qu'il s'est boss gang ça. C'est la phrase là, on s'y vient très très mal passé. Donc, on ne peut jamais mettre une phrase comme ça dans un discours de ce type. Parce que là, nous sommes à l'international. Et généralement, quelqu'un que le président ou ses chefs de l'État, ou ne pas les gens là qui ont mal dit comme ça, non. Ou ne fait pas comme ça. Donc, président, on s'y vient aller fort. Oui. Ça me dit là, à nos conférences de presse où il y a en Haïti, là, on parle avec des gens. C'est vrai, la Chine pas en démocratie, mais la France sont démocratie. Les États-Unis sont démocratie. C'est-à-dire qu'il y a des paroles où là, il y a pas oublié les journalistes, il y a une protection spécifique et protection spéciale que on paquet de pays bah yo, ou pas là, il y a un volume qui est trop haut. Et ensuite, le président lui-même, il a pas de salvine par les la même chose, puisque le président a une limite de temps. Mon yo prépare une intervention, yo pense le président, c'est son page Facebook lié, la font live. Yeah, c'est pas son page Facebook lié. Merci, professeur Fernando Estimé. D'accord, merci. C'était professeur Fernando Estimé qui sont spécialistes en relations internationales qui t'a fait essayer de faire nous comprendre l'importance réunion qui était faite hier dans devant Conseil sécurité Nations Unies et surtout avec prestation président Jovenel Moïse et question journaliste ça sont questions qui a débattu parmi journalistes peut-être que n'a gagné dans une prochaine édition et quelques commentaires l'autre journaliste dans le pays d'Haïti et actualité dans le pays d'Haïti ou toujours sous la voix de l'Amérique n'a pas mettre depuis Washington DC ou à suivre rendez-vous info président République là Jovenel Moïse encouragé parti politique yo pour yo préparer yo dans perspective prochaine élection yo. ONI a déjà produit plus passé 4,4 millions alors que KEPA a déjà lancé processus électoral. Président Jovenel Moïse fait déclaration ça hier lundi pendant une visite dans siège social Office national identification nationale là dans Pétionville, un reportage Yves Manuel.
Président République là qui était accompagné de ministre Justice et Sécurité Publique là, ministre qui chargé dans affaires élections et relations avec partis politiques, fait qu'on ait gagné 4,4 millions identification nationale qui enregistré dans l'ONI. Dans ce qui concerne production et de naissance, capacité production a triplé selon Jovenel Moïse. En deux mois, journal Union produit plus passé 400 000, contrairement à 100 000 qui habitués produit chaque année. 4 millions 4 d'identification nationale qui est enregistré. Et pour au monde faire 4 d'identification nationale, là, nous connaissons bien bon condition, ça veut dire qu'il faut un acte de naissance. Et c'est le plus gros problème que nous avons. En plus, le président de la République l'a souligné, il y a 286 partis politiques qui ont enregistré dans le ministère de la Justice. Chiffre ça, selon ça, le fait qu'on ait montré qu'il y a diverses avancées qui fait dans le cadre du processus électoral. Jovenel Moïse invité leader opposition pour préparer pour l'élection. Pas de transition dans le pays, d'après ça, le fait qu'on ait. Et le peuple a un seul côté de Bordeaux, c'est dans l'élection. Et si passe-coup qui vous fait, moi, son seul passe-coup que j'ai fait. On passe-coup par le peuple. Ça veut dire remettre les bailes, les abats à la loup, les mêmes la choisir, les gens parce que sont bas, ils me disent qu'ils louent en pile là-bas. Mais même côté l'IA, c'est là que je vais quitter. Les mêmes, c'est mettre les liens, on y a le choisir, ou même qui décide pour venir diriger, j'aime toujours dire, là c'est bon, commencer une formation, parce que la campagne est beaucoup ouverte, mais commencer à faire formation à travers tout le pays. Hein. Pour permettre moun yo commencer wè figure nous, yo commencer konnen nous. Bon côté par le ministre qui en charge question électorale et relation avec parti politique, Mathias Pierre, fait konnen li pral continuer travail avec conseil électoral provisoire dans l'idée pour préparer référendum sous nouvelle constitution. Sous reste processus électoral là, n'a travaille très étroitement avec CEP1 qui lui-même c'est organe qui pour organiser élection et nous-même nous là pour faciliter tout bagage qui est dans processus là. En dans processus ça gagnent BEC, PED, tu gagnes des formations qui t'es faites, tu gagnes des préparatifs qui t'es faites, et là, nous sommes en phase pour que tu prennes le bio, formation, puisque le recrutement est fin fait, qui pour permettre et avancer. Il y a un COP qui est débloqué pour le conseil électoral là, pour lui fonctionner en lui-même, et gagner, quand pour nous connaître tout, pour nous assistance technique et logistique en dedans élection, un accord qui signe entre le Premier ministre là, et Nations Unies, particulièrement PNUD, côté que PNUD, c'est lui-même qui parle de nos assistances techniques. Déjà, l'effet qu'on est, le Conseil électoral a déjà bénéficié d'appui logistique UNOPS, qui continue à faire formation pour BEC et BED à travers divers endroits dans la République. Là. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de la Mairie. Donc, tu es capable de pouvoir mettre des jalons pour le capable de. Et réaliser élection dans le pays, tant que président Jovenel Moïse promet-lui devant tribune ou bien devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pendant ce temps, il y a une question constitution qui est toujours à l'ordre du jour. Il y a un leader politique, professeur Dieudonné Lérisson, qui déjà analysé document qui a un rapport avec le projet de changement de constitution haïtien. Recommandé pour le Sénat toujours exister contrairement à comité consultatif indépendant sur l'élaboration maman loi pays. Professeur Dieudonné Lérisson, la prépondre question, correspondant à Port-au-Prince, Renan Toussaint. Non pas pour éliminer aucune institution, nous opter pour une constitution qui doit créer équilibre, qui doit faciliter l'harmonie entre les pouvoirs publics. Nous applaudissons dès demain. Pour poste premier ministre là li éliminer dans la nouvelle constitution parce que poste premier ministre ça qu'on occasionné trop chantage dans parlement et puis li qu'on mettait président république là dans situation pour pas capable respecter promesse de campagne. La population pas président nous pour les remplacer par un vice-président, mais un vice-président que fonctionne attribution doit être défini dans le cadre nouvelle constitution. Nous parlons, c'est un vice-président tout, qui c'est une marionnette. Nous voulons, nous parlons tout,
c'est un vice-président tout temps qui pral monter complot pour jeter président. Fuck attribution, fonction, vice-président, il est clairement défini. C'est ça nous prenons, nous-mêmes, nous prenons dans la partie place pas. Donc c'était le professeur Dieudonné Lérisson qui lui-même fait un plaidoyer en faveur Sénat, parce que d'après document, Pape Guéyen et Sénat, il a opté pour un vice-président, même genre avec document deal, mais il dit que fort attribution, vice-président li clairement défini dans document. Nous parlons en province, plus précisément dans le département Nord-Pays, ancien président en Sénat, Dr. Kelly Sébastien, by diverses raisons qui causent opposition, pas qu'à d'accord aller dans l'élection avec le président Jovenel Moïse, pendant le reconnaître, c'est un vide juridique qui fait un alternative important, pas qu'à trouver pour résoudre crise pays. Kelly Sébastien, un reportage. Yvan Martin Jasmin. Ancien président Assemblée nationale là, dans le pays d'Haïti, dans la 49e législature, Dr. Kelly Sébastien, par plusieurs raisons qui, d'après lui-même, fait opposition politique là, pas accepté à l'élection avec président Jovenel Moïse pour l'année 2021. D'après Dr. Kelly Sébastien, il y a plusieurs vides institutionnels pendant le reconnaître tout. C'est un vide juridique qui fait jouer aujourd'hui opposition pas qu'à trouver une alternative importante qui fait opposition pas qu'à arriver déboucher sur une solution face à la crise que le pays a traversé journée jeudi. L'élection doit permettre de faire nos conditions légales qui permettent d'être juste, mais l'homme au président, c'est le capitaine décidé pour la justice. L'homme au président qui met dans cette épée, qui n'a pas même prêté serment, l'homme au président qui mandat fini, qui s'est pas le pouvoir pour faire l'élection. Il n'y a rien là qui peut pouvoir faire l'élection. C'est que le mandat fini, il n'y a pas de type de qualité pour faire. Et c'est une raison qui explique au niveau de l'opposition. Si il est violent, et ma parole est de l'opposition, société civile là, parce que c'est tout pays qui fait comme ça, l'église catholique, pasteur protestant, université et fédération des barreaux, tout le monde sait, c'est pas seulement l'opposition qui dit que le mandat fini. C'est article 132, tout le monde constate, regardez, ou pas dire l'église catholique dans l'opposition. Pasteur en opposition, université qui est en opposition, les universités américaines, les grandes universités américaines qui font même constat, ou pas qu'à dire en opposition. Donc ça veut dire que si mandat est fini, ou pas qu'il y ait une qualité pour faire l'élection. Maintenant, comme nous avons une situation que la constitution va pouvoir remplacement et que la solution, c'est une solution politique liée, qu'on y a, nous pas qu'une provision en main pour permettre que le remplacement soit fait immédiatement, et surtout l'opposition et la société civile parlent dans une situation de violence. Pour permettre que bagarre une situation ça fait. Ça fait qu'on y a là, on en face de confusion, mais c'est l'engagement et c'est détermination, population, société civile, acteurs politiques, communauté internationale qui commence à être dans la diaspora Noël, et pas seulement diaspora haïtienne, non. Je parle de conseil de personnalité au niveau Canada, au niveau États-Unis, qui a prononcé et qui fait même lecture de constitution. Donc quand il y a dans une phase qu'on y a, il faut que nous rétablissions un minimum de normalité institutionnelle qui vous dit comment. Transition ça va le faire parce que nous venons en phase d'après article 134.2, non pas pour président qui est constitutionnel. Article 134.3 dit mandat président pas abrogé et dans l'intervalle, comme nous pouvons gagner une solution politique, et ça fait le président qu'on vous livre que la mort. De l'autre côté, c'est chaque jour dans le pays, plusieurs personnes dans la population a fait ligne devant le bureau Office d'identification nationale là, dans l'idée pour capable retirer quatre identifications, une façon pour capable régler diverses activités sociales ou bien remplir devoirs comme citoyen. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap-Haïtien. Merci Yvan, ou toujours sous la Voix de l'Amérique, la permettre depuis Washington DC, ou capable de suivre la Voix de l'Amérique sur toute plateforme, yo, notamment, ou capable de suivre nous sur Facebook, ou regarder là, VOA Créole, et ou capable de suivre nous tous sur Instagram, sur Twitter, sur VOA Nouvelle, VOA Nouvelle c'est website nous, et ou capable de suivre nous tous sur Instagram, tant qu'on nous dit déjà. Donc toujours été branché et nous saluer. Nous allons continuer à aller dans la province, qu'on a nous parlons dans la Tibonite, Forum économique et social secteur privé évangélique là dans Gonaïve, mandé acteurs politiques yo chita parler pour qu'a joindre une solution dans la crise politique là. Yo reportage Exalus Mergena depuis Gonaïve.
Forum économique et social, secteur privé évangélique là dans Gonaïve, exprimer préoccupation face à la situation sociopolitique paysan qui vient plus grave chaque jour plus. Selon constat FESPEG, chi répète qui gagne en acteur politique la cause business pas qu'a fait dans pays et puis gagne plus misère, grand goût chômage et insécurité cap soute bill population. Pour ça, président FESPEG là, maître Emus Régis, mandé pour tout acteur yo qui ça qui n'a pouvoir ou n'a opposition, mettez tout orgueil de côté et puis si t'as parlé pour qu'a joindre une solution dans crise là. Forum économique et social du secteur privé évangélique de Gonaïve, qui c'est FESPEG, qui c'est un forum qui regroupe entrepreneurs avec professionnels préoccupés sa par situation sociopolitique qui a traversé le pays. Côté acteurs politiques, ni pouvoir à proposition, pas qu'à entendre pour mener le pays. Situation ça la cause, mais il y a une plus dans la misère, à plein grand goût. Pas qu'un investissement professionnel et businessman, pas qu'à faire. Dans ce sens, FESPEG a demandé pour tout acteur faire un dépassement de soi, Yoshita, et définir l'alternatif. Parce que la bonne de force là, pas de petit dégât. Yon l'autre côté, président FESPEG là, maître Emus Régis, demandé pour la police respecter droit population à gagner pour le manifester. Pendant le dénoncé tout, incendie qui était fait dans plusieurs bureaux publics dans cité indépendance là. Population qui a manifesté, c'est une manifesté pacifique. Qui a boulé, ni crasé, puis c'est Jean Safet Goulaï, pour mairie, tribunal, pour lui, ensemble avec un peu de droit de l'État. On a demandé à la police pour lui protéger les droits manifestants avec bien public et privé. On a demandé à tout secteur dans le pays continuer à se dialoguer pour nous être capables de joindre un consensus pour sortir le pays dans tout le côté du pays. Président Forum économique et social, secteur privé évangélique Gonaïve, là, maître Emus Régis, quoi division pas mener le pays en quel côté. D'après lui, dialogue, c'est puis bon moyen qui permettre nous joindre une solution concertée dans la crise politique là. Exalus Mer Jeuna Gonaïve pour la Voix de l'Amérique. Merci Exalus et Mer Jeuna ou toujours sur la Voix de l'Amérique. On suivre rendez-vous info qu'on y a nous invité au suivre yon annonce service public la Voix de l'Amérique dans Washington. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger moi. An nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gains dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas joué. Met corps, veillez corps. Donc c'était une annonce service public la Voix de l'Amérique dans Washington et qu'on y a actualité dans le pays États-Unis administration président Joe Biden là eh ben les a négocier avec otage tant qu'on te dit hier. Mais qu'on y a, nous allons rejoindre Jean-Robert et Philippe qui fait nous connaître que et Ayatollah Khamenei dit que eh ben il y a possibilité pour lui capable de plus enrichissement uranium dans le moment que l'administration Joe Biden a mandé pour Iran respecter accord 2015. Jean-Robert Philippe. Effectivement, Jacques Jondia, eh bien, tension a augmenté entre Téhéran avec Washington sur niveau production uranium enrichi iranien. Lundi 22 février 2021, eh bien, l'idée suprême iranien, Ali Ayatollah Khamenei, a jeté voile dans le balancement qu'il a en doute sur l'avenir en tant que nucléaire Iran 2015 ans que les États-Unis ont abandonné en 2018. L'idée suprême iranien Ayatollah Ali Khamenei déclaré lundi 22 février 2021 Iran capable d'augmenter le niveau de production uranium enrichi, quel que soit le besoin du pays, jusqu'à 60%. Déclaration ça a fait dans le moment qui dit fait bouler entre États-Unis et Iran a continué sur l'avenir en tant que nucléaire 2015 iranien. Télévision l'État iranien cité parole l'idée suprême non qui t'a voulu faire comprendre parti européen avec américain qui s'est entente là utiliser un langage injuste contre Iran. Iran pas cédé en bas pression. Iran pas changé position. Selon responsable là, niveau uranium enrichi iranien pas limité à 20%. D'après accord nucléaire 2015 là entre Iran avec 6 puissances mondiales, Iran est limité pour le produit uranium jusqu'à 3.37%. Cependant, Iran a recommencé production uranium ni à 20% après États-Unis ont abandonné accord ça sous administration ancien président Donald Trump en 2018. Porte-parole département d'État Ned Price déclaré commenter Khamenei sonne tant qu'une menace.
porte-parole a ajouté, nous pas pral répondre sous thème spécifique. Ça n'a fait, c'est réaffirmer proposition qui sous table là. États-Unis gain volonté pour rencontrer Iranien yo pour résoudre question complexe difficile ça yo. Lundi 22 février, secrétaire d'État américain Anthony Blinken réitère position États-Unis. Là, il fait connaître États-Unis Paris pour retourner dans l'entente nucléaire Iran si Téhéran montrait la respecter strictement accord 2015 là. Pendant une visioconférence sur désarmement avec support Nations Unies, numéro 1 département d'État a déclaré États-Unis qui met engagement pour assurer l'Iran pas jamais posséder des armes nucléaires. Diplomatie, c'est meilleure façon pour atteindre objectif ça. Même lundi 22 février, autorité iranienne mette fin à l'accord inspection temporaire, Agence Énergie Atomique Internationale a été joint à Kyo, dimanche 21 février, qui est considéré illégal et qui mettait en doute application en tant que là. Accord 3 mois ça, t'a permis une continuité inspection limitée dans l'installation nucléaire iranienne. Parlement iranien déclaré, gouvernement président Hassan Rouhani a dépassé autorité dans l'accord li joint avec Agence Énergie Atomique Internationale. Responsable Agence Énergie Atomique Internationale, Rafael Mariano Grossi, déclaré par journaliste dimanche 21 février à l'Téhéran, entente provisoire, c'était une mesure pour empêcher régime inspection nucléaire crasé en miettes morceaux. Ancien président iranien Abolah Sanbanissa déclaré sur la voie de l'Amérique, faction ligne du iranien a questionné légitimité en tant que provisoire pour marquer point pendant l'élection présidentielle mois juin qui a venu là. D'après ancien président, faction ligne du a pas vraiment voulu pour États-Unis lever sanctions économiques sous Téhéran pendant 3 prochains mois à cause crainte de gain pour pas aider réformes à remporter l'élection. Yo préféré peuple a souffri conditions économiques malouques pour yo capable rester sous pouvoir. Kata Abou Diab, qui a pensé sciences politiques dans l'Université de Paris, déclaré li quoi que leader suprême iranien a essayé exploiter ça le considéré faiblesse administration Biden nan qui a essayé empêcher démantèlement total accord nucléaire 2015 là. Voilà, Jacqueline, c'est comme ça que la situation est. Son dossier que n'a pas suivi et que au moment où on voit qu'on a venu avec plus d'informations sur ça, parce que son dossier qui a évolué et que chaque jour, malgré que l'administration américaine a dit qu'elle est disposée retourner sous sa négociation, peut-être plus au West, peut-être qu'elle a convaincu l'Iran pour respecter l'accord 2015 là. Mais moi, un an que l'Iran garantit qu'elle a respecté l'accord, alors que l'Iran a dit eux-mêmes, ils ont demandé pour que la communauté internationale qui est en tête, les États-Unis avec l'autre pays, pour que eux-mêmes ils respectent promesses qu'ils ont faites dans l'accord ça pour lever sanctions économiques et comme obligation de gain et laisse ça seulement laisse ça que l'Iran lui-même l'a fait répondre avec obligation par lui Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe sur le dossier Iran et États-Unis puis quelques nouvelles en bref et ben le président Joe Biden qui rend hommage by plus passé 500 000 monde donc yon demi million monde qui mouri dans coronavirus et président Joe Biden na occasion ça tout prend engagement pour prendre soin de ça qui vivant yo avec yon campagne massive de vaccination. Et puis toujours ici aux États-Unis, Sénat a commencé yon session jodia pour connait ça qui t'est passé vraiment. Et 6 janvier 2021, le full moon s'est entré dans le Congrès et côté faiblesse qui gagne dans la sécurité dans le Congrès. Et son question tout que le président Joe Biden a suivi tout. Et le président Joe Biden, jeudi, a rencontré avec le premier ministre et canadien Justin Trudeau. Il n'a pas rencontré, mais il a eu une réunion et visioconférence. Mes amis, c'est un plaisir pour nous te servir. Pendant ce temps, nous connaissons gros accident. C'est Tiger Woods qui font un accident terrible dans Los Angeles, dans la Californie. Et bien, côté qu'il prend pile facture dans la jambe, il était dans la salle d'opération. Donc, il y a une situation que nous avons pour vous. Moi, c'est Jacqueline Bélizère, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington. À demain. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, merci, oui, parce qu'on t'a suivi avec attention. Et merci pour fidélité ou patience. Moi, pour aller, m'a quitté au nombre papa Bodje parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou bas la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir. À la prochaine. Non, pam, c'est Foucault. M'ramasse paquet moi. Cause, habitant pas misé la ville. M'prale. Mais, m'a quitté au bras papa Bodje parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou bas la vie avec la santé.
Bonjour, bonsoir tout le monde. N'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.